Gertrude. Mon père n'a pas toujours été celui qu'il est aujourd'hui. Il a changé. Peut-être qu'Odin peut changer aussi. Je sais que c'est dur d'entendre ce genre de choses, mais il faut que tu saches la vérité. Ce que tu choisis d'en faire, c'est à toi de voir. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok avec l'épisode 41. Let's go! Pour la suite de notre aventure, évidemment, un casque, des écouteurs, un petit j'aime, un petit commentaire. Et préparez-vous, ça va swinguer et ça va être incroyable ce que l'on va vivre aujourd'hui. Toujours accompagné de Shroud, évidemment. Hop, un petit peu d'argent ici. Pour les braves, ça fait plaisir. Toujours accompagné de Shroud, il est temps d'en savoir peut-être un petit peu plus sur ce qu'il nous attend. Let's go. Alors, qu'avons-nous par ici? C'est une grande allée. C'est très grand, j'ai l'impression que là, les couloirs sont larges de fou. Le quai de Valgelmir. Très bien, le quai de Valgelmir. Why not, why not, why not? Oh, on a une caisse ici. Okay. Impasse. C'est ici que le masque nous dit d'aller. Faisons demi-tour, on trouvera un autre chemin. Ok, alors là par contre, j'ai pas souvenir avoir vu d'autres chemins. Ah, ok, on a... Wow, j'ai trop peur. On a eu notre nouveau chemin, superbe. Sur la bonne voie. Bien sûr. Allez. Viens le pas. Ok. C'est quoi ce... Ok, superbe. Hop, finito. Ok. Oh là là, cette épée est fantastique. T'en veux encore? Ok. Je voulais pas faire ça, mais enfin écoutez. C'est pas grave, quitte à le lancer. Hop, autant aller jusqu'au bout. Non, mais c'est pas vrai. Ok. Oh là, mais c'est incroyable ces pouvoirs à elle. Vache, mon épée elle est énervée. Je suis mort. Ok. Hop, toi. Donc ça va être finito. Et toi. Finito. Encore ou... Ok, on a l'XP, c'est que c'est bon. Ah, superbe. Let's go. Laisse-moi faire. Et mate ça. Je vois ça. Ah, ok. Bon, bah écoute, aide-moi, alors. Hey, tu m'en veux pas, hein? C'est bon. Peut-être que nos familles sont censées être... Mais... pas nous. Je refuse de le croire. Ok. Ce que je crois, en revanche, c'est que tu ferais une grande Valkyrie. Et je le dirai à ta mère. Oh. Même si elle me fiche une peur bleue. Sous quoi? Sous... Goy, allez, let's go. On a un morceau de masque à trouver. Ça c'est fait. Ok. Tire une salve. C'est quoi? C'est ça? Chute céleste. Oh! Ça a l'air incroyable. On a quoi nous? Ah oui, c'est le truc à 3. Ok, ça fait un dégât de plus. Mais alors là, ça fait 2 runiques et 2 étourdis. Mais c'est incroyable ça. Et il faut 2000 XP pour l'améliorer. Et le regard du tyran, on l'avait même pas amélioré. Miskin. Donc on va prendre la chute céleste. Ça a l'air incroyable. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Allez, viens, bibiche. Ok, donc on peut monter. Non. Très bien. Viens le pas. Pas de passage par ici non plus. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Mais mon instinct me dit que ce qu'on cherche est ici. Ok. Avoir un arc, c'est une chose. Mais what? S'en servir, ça tire à blanc, les gars, ou quoi? Si tu m'apprenais, je serais la première Valkyrie Archer. D'accord. Okay. Elle a traversé le sol. C'est peut-être notre passage. Ah putain. Descendons. D'accord, c'était le petit trou qu'il y avait juste avant. Allez viens bibiche. Attends, c'était quoi ça? On dirait des lampadaires électriques, mon ref. Ils avaient ça à cette époque, c'était fou. Ok, on peut toujours pas passer par là, donc je suppose que c'est là-haut. Maintenant on va... Hein? Ah! Oh putain, mais mon épée me fait peur, frère! Oh non! Bon, je voulais pas essayer ça tout de suite, enfin! Ok! Viens le fort! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est
passe? Une revenante! J'entends des balles. Je vais la ralentir! Attention! Non! Je m'en charge! Ok, on lui met sa part. Forgiris! Allez, Forgiris, mon pote, qu'est-ce qui se passe? Allez, ça dégage, et toi? Vraiment, okay. Vraiment. Superbe! On s'en est bien sorti en vrai. Ah. On peut prendre ou pas? Non. Là. De la pierre de son sur la grille. Tu t'en charges? Ok, let's go. En avant, petit le masque. Le guidage du masque est un peu bizarre avec toutes ces structures sur le chemin. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Ok, ça c'est pris. Allez! Ça c'est fait. Let's go! Allez, viens, Scrooge. On va aller checker un petit peu ce qu'il y a là-haut. Tiens, un petit truc, une petite bourse. On aime les bourses ici. Ok, superbe. Ok, pas mal. Ça va, ça c'est de la petite c'est de la petite racaille mort-vivant, ça, tu vois, c'est pas fou. Loki, attention! Ok. Ah! Ok. Yes. Oh non! Il est mort. Bon, oh, Sugoi. Ça, je prends. Superbe. Attends, donc par là. Oui. Est-ce que tu te moques de moi? Je veux que ça se passe bien. Je veux que ma famille voit de quoi je suis capable. De tout observer. Je sais. Moi aussi. Appuyez sur flèche de gauche. Bah oui, mais j'ai compris. Par là, je suppose. On dirait que c'est par là. Ok, let's go. Laisse-moi faire. Écartez-vous du chemin. Je me charge de l'ouvrir. D'accord, ces portes sont vraiment coriaces. Tu vois quelque chose là-dedans? Oui. Voilà. What? Bien, ce que t'as touché a fracassé le sol comme tout à l'heure. Ok, d'accord. Faisons demi-tour pour voir ça. Ok, donc ça veut dire que c'est descendu, de donc là on vient de descendre. Et toi, comment est ton père? Il est dur. Il essaie de me forcer à devenir comme lui. Mais je pense pas que ce soit moi. Ouf, ouais, je sais exactement ce que c'est. Le problème, c'est que je sais pas ce que je veux. Toi, tu as cette chance. Tu vas trouver. What? Ah, oh la vache. Heureusement qu'elle s'est arrêtée, je me disais c'est bizarre, elle s'est arrêtée. Wouh, wow, putain! Urfantri! Allez, Loki, tu nais! Ok! Bon, je fais un massacre! Ok, continue le massacre. Ok. Wouh. Ok. Waouh, j'ai terminé lui. Il m'a cassé la gueule. Waouh. Incroyable, c'est un monstre. Est-ce que ça t'est mis? Non, pas vraiment. Ma mère va vraiment avoir du mal à me garder à Asgard après ça. Ok. Ok. Allez, let's go. On se sort plutôt pas trop mal. Et ça, ça me plaît bien. Je ne sais pas pour vous. C'est par où? Le masque nous disait d'aller tout droit. Et bien sûr, la voie est bloquée. Peut-être qu'ils veulent pas qu'on entre. Autre joli. Ok. Je suis sûr qu'il y a un autre accès. C'est toujours le cas. Bon. Y a plus rien à fouiller. On y va. Depuis que j'ai la manette comment pour les gars, je me sens beaucoup plus chaud. Comment tu as su que tu voulais être une Valkyrie? Décidément.
après une dispute, tu trésores un petit peu partout. J'ai filé en douce et vu leur entraînement. Chacun de leurs mouvements était net et précis, comme si elles savaient exactement ce qu'elles devaient faire. Et à ce moment-là, je l'ai su aussi. Ok. Ah, what the fuck? Et maintenant, par où? On dirait que c'est par là. L'entraînement m'a donné... C'est trop lourd? Oula, qu'est-ce qui se passe, Bibiche? Alors, quelque chose la bloque. Je vais regarder, mais je veux entendre la suite. D'accord. Ah, superbe. Trop lourd. Ok, je l'ai. Pas mal. Je sais. Comme je le disais, voir les Valkyries se battre avec force et avec grâce, sans faux semblant, ça m'a ouvert les yeux. Pour la première fois. Bon, faut pas oublier qu'on en a arraché la moitié des Valkyries. Hein. Ok. Dommage que les géants suivent tes prophéties. Peu importe. Trace ta propre voie, comme on l'a fait ici. Ok, il y a des bateaux. Ah, c'était pas des barres, c'était des mâts de bateaux. Oh, regardez. Je pense qu'on va aller tout là-haut. Et vous voyez ce que je veux dire. Oh, j'adore, j'aime bien. Ok. Allez, let's go. On va ouvrir ça. Tu viens, Srood? Écarte-toi, petit homme. On n'est plus jamais ça. Elle est coincée aussi. Mais je sens qu'elle cède. Oui, je vois ça. Ok. À l'attaque! Quel feu! Allez, on va faire des bûches. Merde, putain, c'est pas à travers le mur. Je croyais que je me battais contre quelqu'un. Allez, ça dégage. Quelqu'un d'autre? T'en veux encore? Tiens pas. Et bam! Pas mal. On forme une bonne équipe. Oui. Non. Et maintenant? Ok, il y a là-haut. Là, on a un petit coffre. On prend. Bizarre. Ah. Si seulement on pouvait passer cette maudite caisse. Ah. Apparemment, c'est par ici. Mais. Ah, d'accord, c'est bloqué. Okay. Je peux l'aider? Et si je bouge ça. Ah! Est-ce que tu peux monter? Bien sûr, Bibiche, que je peux monter. Trouve un moyen de faire tomber la caisse de l'autre côté. Ok, n'en dis pas plus. Je t'attends ici. Let's go. Je ne peux pas monter comme tu le fais. J'y vais. Ok, ça on prend. Bon, allez, c'est parti. Ingrid, est-ce que j'ai été trop dur à propos de son grand-père? Il faut qu'elle sache la vérité, non? Oui, tu as raison. Hé, hey, tu me parlais? Non, je parlais à Ingrid. Ah, d'accord. Attends. Invoque trois loups spectraux. Ok. Ça fait 2 de dégâts seulement. Et moi, ce que j'avais, ça faisait 2 runiques et 1 de dégâts. 1200 et là, 2000. En vrai, de vrai, je préfère lui, hein, quand même. Hein. Comme eux-mêmes, hein. Pour le coup, hein. Ça fera 3 de runiques, hein. Et puis, ça avait l'air de grave gêner, hein. Voyons, où je peux avoir un meilleur point de vue sur cette caisse? T'as réussi! Ok, superbe. Je devrais la rejoindre. Tu vas bien? C'est des problèmes. Vas-y, Rocky. Écrasé. Bien le temps. Ok. Infanterie. Oh, c'est bon. Ok.
C'est incroyable ce que je lui mets dans la gorge. Voilà. Allez-y mes oiseaux. Elle est morte. What the fuck? Bizarre là ce que j'utilisais, non? C'était fou. Ok, on se casse, let's go. Bizarre. Bizarre, vous avez lu bizarre. Bon. C'est bon, la voie est libre. Allez. Oh, le masque s'agite. On doit être proche. Ok, là on peut pas y aller. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Ah. Ok. On va monter là-dessus. Eh. C'était quoi? À toi de me le dire. C'est toi qui es déjà venu ici. C'était sûrement rien. Alors là. Ça n'avait pas l'air. J'en ai aucune idée. Ouais. Il faut qu'on sorte d'ici. Le masque. On est tout proche. Plus. Région découverte. Soit dangereux. Est-ce qu'on voit bien la même chose? Enceinte de ni. Sûrement pas pour rien. Ni pas élire. Sentir ce qu'il ressent. C'est un truc de géant. Et tout ce qu'il veut, c'est sortir. Le morceau doit être derrière lui. Fais-moi confiance. D'accord. Ah. Commençons par l'entrave qui n'est pas. Ah. Ah. Alors est-ce que c'est par hasard pour cette scène? Je ne veux pas spoil. Est-ce que c'est pour cette scène que la PETA avait porté plainte? Parce que je sais que ça mettait en cause un loup. Et là, ça a l'air d'être un loup géant qui est qui posait tout comme la tortue en tout début de jeu totalement ligoté. Je trouve ça bizarre. Et voilà. Il dort profondément. Passons à la suivante. Ah ouais, ah oui. En plus, il a l'air d'être dans un... Oh, c'est beau. Il a l'air d'être dans un sale état. Par contre, de belles griffes. Hein. De très belles griffes. Ok. Allez, aide-moi, Bibi. Là. Ok. Il y en avait une troisième sous sa patte. Ah ouais, il était lacéré, c'était bizarre. C'est bizarre. Ah, attention. Ok. On va devoir se battre. Oh non, le pauvre, j'avoue, il était torturé là. Et si on regardait dans la salle qu'il gardait? Il avait un truc qui... du sort de barbelé autour de lui, c'est horrible. Oh, j'espère qu'on va pas l'affronter quand même. Hein. Ah, ça m'embêterait. Hein. Une impasse? Pitié, dis-moi que c'est dans l'eau quelque part. C'est... Tiens, il n'y a plus aucune réaction. C'est bien la première fois. Je t'ai fait confiance. Et on a libéré cette chose. Grand-père va me tuer. Il faut qu'on file d'ici, dépêche. Ah. Ok. Bon bah filons. Trud, attends. Filons comme François Pilon. Quelque part Trud, là-bas. Trud, ça va aller. Comment tu peux dire ça? Ok. Jamais tu t'écoutais. Oh, j'espère qu'on va pas l'affronter. J'espère qu'on va pas l'affronter. Je trouverai le morceau. Ok. Oh, on dirait des fissures mais griffes. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es vraiment un imbécile fini. Tu sais que cette chose fait des trous entre les royaumes, pas vrai? Enfin, je suppose qu'on pouvait s'y attendre, venant de deux bâtards. Ne me traite pas de... Je t'appellerai comme je le voudrais, Minus. Laisse-le tranquille. C'était une erreur. Non ! L'erreur était de te laisser croire que tu étais prête. Tu l'as aidé, n'est-ce pas ? De quel côté es-tu au juste, sauterelle ? Viens là, je vais te montrer. Oh ! Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement ? Oh. Vois-tu, les gens se retiennent avec toi parce qu'ils ont peur de ton père. Mais pas moi. Cette espèce de grosse barrique d'hydromel sur pattes.
commence. Bien, bien. Imbécile de père en fille, semble-t-il. Alors soit. Voyons ce que tu vaux. Tu as encore bien des choses à apprendre, petite fille. À commencer par reconnaître les tiens et ceux qui ne te sont rien. Attends que je devienne une Valkyrie. Oh. Oh. Alors, tu crois vraiment que le père de tout permettra que ça arrive? Oh. Allons, tu ne devrais pas laisser cette petite fouine te bercer d'illusions à longueur de temps. Arrête! C'était pas loin. Trud! Il fait ça pour t'énerver. Ah ouais? Eh bien, c'est réussi. Vous autres, les gosses, vous êtes... barbants. Si tu en as terminé avec ta petite crise, nous devons partir. Parce que je brûle d'impatience de vous voir expliquer votre bourde au père de tout. Oh, ça va être fantastique. Hugin! Il n'est pas là. Allons voir dans son bureau. Oh, oh, je n'aimerais pas être à votre place. Père, lui, me soutiendra. Après que le père de tout l'a renvoyé en boudant la queue entre les jambes? J'en doute. Quant à toi, Loki le Jotnar, ton incompétence me sidère. À tel point que je n'endors plus la nuit. Si tu le dis. Je suis sincère. Tu possèdes une telle palette de défauts que c'en serait presque... attendrissant. Si ton inutilité était comestible, nul ne connaîtrait plus jamais la fin. Très bien, tout est de ma faute. Laisse-la en dehors de ça. Je n'ai pas besoin de ton aide, Loki. Désolé. Garde ça pour le père de tout. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Loki, je te retrouverai dans ta chambre quand j'aurai fini. Ce ne sera pas long. Très bien. Ma mission s'est déroulée sans accroc, père de tout. L'objet dont nous avions discuté est à l'abri. On va l'écouter quand même. Le masque, en revanche... eh bien... ce ne sont que... des enfants. Les adultes doivent se parler, Loki. Ah. Va jouer un peu plus loin. Ah! Merci beaucoup. Trud, Je ne veux rien entendre. Tout allait bien avant que tu débarques. Je vais me rattraper, c'est promis. Bibiche ? J'ai pas envie de parler maintenant. Décidément, je suis puni. Apparemment. Pourquoi pas ? J'ai vraiment tout raté. C'est dans ces moments-là que la maison me manque. T'avais une maison, Ingrid, avant d'être ici. Quelqu'un qui s'occupait de toi. Je prends ça pour un oui. Je peux peut-être t'aider à rentrer chez toi, sans tout faire rater, si possible. Ça te plairait ? Bonsoir. Qui me dérange? Je peux entrer. Enfin, il fait beaucoup trop le gentil avec moi, le Odin, quand même. J'ai entendu la version de Heimdall. J'aimerais entendre la tienne. Raconte-moi. Ce n'était pas là. Je me suis trompé. Tu sais, tout le monde peut faire des erreurs. Mais relâcher Garm, c'est extrêmement grave. Le chaos se répand déjà au sein des autres royaumes. Ici, on ne craint rien, à Asgard. Mais partout ailleurs...
Je crois que je veux rentrer chez moi. Très bien, si c'est ce que tu souhaites. Je t'ai dit que tu n'étais pas un prisonnier ici. Tu as le choix. Va, fais le vide. Je sais que tu reviendras. Mais si tu t'en vas, tu dois me rendre le masque. Comprends-moi bien, j'ai une entière confiance en toi, mais pas en ton entourage. Oh, et Ingrid. Ingrid, je dois partir. Oh, on sent qu'il l'a mauvaise. Loki, quand tu seras prêt à revenir ici pour suivre ton travail, Ugin t'attendra dans ton ancienne maison. Tu t'es trompé. Ça ne change rien au fait que tu es le bienvenu ici. Oh, et tu salueras Mimir pour moi. Je suis surpris d'être soulagé de revenir ici. Si tu restes ici, tu risques d'attendre longtemps. Ok, les amis. Encore ? Bien sûr. Merde, j'ai pu... Oh non, catastrophe. J'ai pu... Hop. J'ai pu... Bah ouais, j'ai pu... Ingrid. Allez. Ok. Allez. Mort. Bon. Il faut que j'utilise l'accès mystique au plus vite. Odin a raison. Libérer Garm. Quelle terrible erreur. Aïe, aïe, aïe. Bien. Je peux pas m'enfuir. Cette fois, je vais devoir lui faire face. Attends, j'ai cru que Kratos il allait encore revenir depuis le portail. Je vais bientôt rentrer. Ça va aller. Tout va bien se passer. Non, non, non! C'est toi! Non, attends. C'est toi! Arrive au bon moment! Tu en as un ou deux! Ok. Atreus! Fais attention! Où est mon père? Il en viendra tant que je n'aurai pas fermé cette brèche de royaume. Atreus, tiens-les loin de moi! Ok. Ok. Bon. C'est tendu comme mon cul tout cela. Ok. Je manque de puissance. Atreus, viens m'aider avec le sort. Je vais te montrer comment. Ok. Très bien. Ok. Je vais pas l'envoyer là-bas. Ça ne s'arrête jamais. Je sais. Libère-toi et aide-moi. Il est prêt. Et nous, bah, j'essaye. Ça, c'est incroyable, par contre. Ok. Alors là, les gars, je suis hyper concentré parce que j'ai l'impression que le temps ne passe pas. Okay. Une page de chicos. Voilà. Oh merde. J'ai bouffé un pote. Oh.
Bon. Là, les amis, je suis tellement concentré que j'en oublie l'usage de ma parole. Enfin, tout de même. Ok. Superbe. Ok. Oh, le temps ne passe pas là, c'est terrible. Ok, si c'est bon. À ton signal. Laisse ça, Rifa. Je me suis battu tellement longtemps. Rifa. Pour rien. Laisse ça, Rifa. Relève-toi. Aide Freya, je vais les attirer. Ah ! Ça, j'aime ! Ça, j'aime ! Voilà. Okay. Ça, j'aime bien ça. Ok. Alors, par contre, pourquoi mon outil est comme ça, je suis très bien. Derrière toi, mon frère. Fireball. Pap. Toi, je t'éclate la gueule. Ok. Est-ce terminé? Pas grâce à toi. Où est Atreus? Atreus? Le fugitif est-il rentré, apportant tout cela avec lui? Ah, ne bouge pas. Je vais bien, je te dis. Tu saignes. Oh, arrête un peu de geindre. Comment dois-je t'appeler ? C'était de ma faute. Les Éléens, ils sont partout. Partout. Ce n'est pas ta faute. Bien sûr que si. Il y avait un loup à elle. Il était enchaîné et je l'ai libéré. Et je pensais que si je... Carme,
par les bourses d'Odin, tu as libéré Garm. Garm? Qui a libéré Garm? C'est de la folie. Tu n'as pas fait ça, jeune homme. Si le molosse de Hel est libre, il va dévorer la trame même des royaumes. Les Éléens ne sont que le début. À quoi pensais-tu? C'est vrai. As-tu idée du bourbier dans lequel tu viens de nous plonger? Pourquoi as-tu commis pareille bêtise? Est-ce l'œuvre de Loki? Assez. Laissez-le. Atreus a commis une erreur. Une erreur que nous corrigerons ensemble. Génial. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester ici. J'ai eu ma dose de voyage à Helheim. La voix. Réunion. Il y a un problème. Je ne sais pas si je peux retourner à Helheim. L'écureuil saura peut-être. Je dois vous parler immédiatement. Bon. Immédiatement, j'ai dit. La voix du Spartiate. On va s'arrêter là, les amis. Messieurs, okay. Veuillez pardonner ma brusquerie, pas... mais les dernières nouvelles venues d'Helheim sont tout bonnement inacceptables. Je vous prierai de bien vouloir remédier à la situation sur le champ. Je vous en conjure, retournez à Helheim sans délai et réparez les dégâts que vous y avez causés. Ah. Alors, on va se battre, je vais save et je n'aime pas du tout, cet ulti que j'ai. Donc on va essayer de voir d'où ça vient, parce que je ne comprends pas. Alors, est-ce que ça vient peut-être... Vous croyez que ça vient des accessoires? J'ai du mal à y croire. Non, ça j'ai pas modifié. Ça vient pas non plus de l'uniforme, pardon. Ça vient de la rage spartiate. Mais what the fuck, pourquoi j'ai ça? Appuyer rage spartiate et bénéficier d'un requin de santé pour consommer une portion. Charger un ennemi proche avec l'arme que vous tenez en main et lui infliger d'importants dégâts avec des effets supplémentaires. Tuer l'ennemi restaure une petite partie de votre santé. Les améliorations augmentent la quantité de dégâts. Bah ouais, mais moi je veux la rage en mode tard les fous, frérot, tu vois. Ragiti, bah ouais, moi je veux ça, moi. Je l'ai amélioré en plus, je l'ai amélioré sale. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, on se retrouve très bientôt. On va sûrement devoir fouetter les fesses de Garm. À bientôt tout le monde. Bye bye.